Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, vous connaissez sans doute comme moi une blague que l'on raconte à propos de nos Noëls, je dirais particulièrement peut-être les Noëls de France, à savoir que deux personnes parlaient et l'une disait à l'autre « Oh mais dis donc, ils sont quand même incroyables et casse-pieds ces chrétiens, maintenant ils mettent leur Dieu dans les célébrations de Noël. » Je pense que vous avez compris le sens de cette blague. À savoir que petit à petit, la tendance, en grande partie du fait du commerce, et puis aussi de la variété de la société française, la tendance, c'est, oui, fêter Noël. Heureusement, il reste l'aspect fête familiale, ce qui est quelque chose de génial, mais avec le risque de voir disparaître le sens profond, les racines. Pourquoi fête-t-on Noël? Pourquoi Noël existe-t-il? Et bon, bien nous qui sommes réunis aujourd'hui dans cette église, si nous sommes là, c'est parce que nous savons d'où vient Noël. Alors nous allons essayer de réfléchir un peu à partir des lectures que nous venons d'entendre. D'abord, l'évangile que je viens de proclamer, eh bien cet évangile nous montre le ciel et la terre. Le ciel et la terre qui s'unissent. Lorsque les anges, il y a des anges, des messagers de Dieu, des êtres spirituels qui se tiennent en présence de Dieu et que Dieu envoie au milieu des hommes pour leur communiquer ses desseins, eh bien les anges symbolisent le ciel. Lorsque les anges eurent quitté les bergers, des hommes, bien enracinés sur la terre, qui s'occupent des troupeaux, des bergers qui même la nuit veillaient auprès de leurs troupeaux, ça c'est la terre. Alors nous avons les anges, les bergers, le ciel, la terre. Et puis, alors nous avons celui qui va faire le lien entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. Les bergers se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Eh bien, ce nouveau-né, Jésus, lui, c'est le point de rencontre entre le ciel et la terre. C'est l'intermédiaire entre la terre et le ciel. C'est celui qui fait le lien. Comme on dit, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu, puisqu'il est vrai Dieu
et vrai homme. Et nous comprenons, en célébrant Noël, en regardant l'enfant de la crèche, eh bien, nous comprenons un peu le sens de notre vie sur la terre. C'est important, quelquefois dans l'année, de se repencher sur cette réalité qui nous colle de fait à la vie. Pourquoi sommes-nous sur la terre? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel sens a notre travail? Quel sens ont nos amours? Quel sens a la vie familiale, la vie du couple? Pourquoi tout cela? Et Noël, eh bien, nous rappelle que nous venons de Dieu et que nous allons vers Dieu. Ça, c'est notre vie résumée en quelques mots. De Dieu à Dieu. Voilà, ça c'est la vie humaine sur la terre. Mais de Dieu à Dieu en passant par Jésus, le médiateur. D'où l'importance non seulement de le regarder dans la crèche, mais de le regarder ensuite grandir, de le regarder pendant sa vie publique, lorsqu'il va quitter son village et qu'il va vivre pendant un peu moins de 3 années au milieu de ses contemporains, en enseignant une parole qui attire les foules, une parole qui bouleverse les cœurs, et puis en faisant des signes, des miracles, qui révèlent petit à petit qui il est. Il est l'envoyé de Dieu sur la terre. Il est cet homme qui, connaissant les mystères de Dieu, révèle Dieu aux hommes et qui les rend meilleurs, qui les aide à découvrir qu'ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu et qu'ils ne doivent pas l'oublier dans leur vie de chaque jour. Voilà un peu ce que nous rappelle, je dirais, cet évangile, cette fête de Noël. Et nous avons entendu dans la deuxième lecture une lettre de saint Paul à un de ses disciples qui s'appelle Tite. Nous avons entendu au début Paul qui écrit à Tite « Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes. » Et nous pouvons prendre cette phrase de saint Paul pour la fête de Noël. Noël, cet enfant qui est couché dans la crèche, c'est une manifestation de la bonté et de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes. Noël, c'est aussi cela. C'est prendre davantage conscience de cet amour de Dieu pour nous et pour tous, pour tous les hommes, sans exception. Et nous avons entendu dans l'Évangile, vers la fin, que Saint-Luc nous écrit « Marie, la maman de Jésus, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Et je crois que nous aussi, à l'occasion de Noël, si on arrive à trouver un petit créneau entre les moments où il faut préparer les repas, où il faut manger, où il faut ouvrir les cadeaux, eh bien, ça peut être bon, nous aussi, de retenir un peu dans notre cœur ce que signifie Noël, à savoir la manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu pour nous. C'est pas mauvais, de temps en temps, de s'arrêter. Ça peut même être au volant de la voiture, et de se dire... C'est pas vrai. Je suis aimé infiniment de Dieu. Comment est-ce possible que Dieu soit venu au milieu des hommes? Comment se fait-il qu'il se soit fait enfant? Voyez, Marie retenait tous ces événements dans son cœur. Nous aussi, nous pouvons les retenir. Et puis enfin, frères et sœurs, et je termine avec cela, dans la première lecture tirée du prophète Isaïe, eh bien, nous avons lu que Isaïe parle à la ville de Jérusalem, enfin Dieu à travers Isaïe, et nous avons entendu « Dites à la fille de Sion, Jérusalem, voici ton sauveur qui vient ».
Alors le Sauveur qui vient, c'est Jésus. Avec lui, le fruit de son travail et devant lui, son ouvrage. Son travail, le travail de cet enfant, quand il deviendra grand, ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, de révéler son Père, de nous aider à comprendre que nous pouvons vivre avec une espérance parce que Dieu nous aime et Dieu est prêt à nous aider et à nous pardonner. Mais aussi, son travail, ça va être, quand ses ennemis l'arrêteront, ça va être d'offrir sa vie. D'offrir sa vie en pardonnant. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Son travail, ça veut être, alors qu'il se sent abandonné de son Père, de dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il le dit au nom de nous tous. Les paroles de Jésus, surtout à ce moment-là, au moment de sa passion et de sa mort, mais ce sont aussi nos paroles, il les dit pour nous. Nous aurons peut-être du mal à les dire, au moment de notre mort, ce ne sera peut-être pas facile, mais n'oublions pas à ce moment-là qu'il y en a un qui nous représentait tous et qui les a dites. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Son travail, voyez, voici ton Sauveur qui vient, avec lui le fruit de son travail. Et son travail ne s'est pas achevé avec sa mort sur la croix, puisque le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Son travail, c'est aussi de nous ouvrir le ciel. Je disais, nous venons de Dieu et nous allons à Dieu. L'intermédiaire, celui qui nous accompagne et qui nous ouvre le ciel, c'est cet enfant. C'est Jésus, le Fils de Dieu fait homme. Voyez, la répercussion pour nous de cela, eh bien, Isaïe le dit, eux, le peuple d'Israël, maintenant nous, seront appelés peuple saint, racheté par le Seigneur. On t'appellera, Jérusalem, la désirée, la ville qui n'est plus délaissée. Eh bien, la répercussion de la naissance de l'enfant Jésus, c'est que si nous le prenons dans notre vie, et c'est ce qui a commencé le jour de notre baptême, si nous le prenons dans notre vie, nous sommes un peuple saint, sanctifié par Dieu, parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Nous sommes rachetés. Nous sommes un peuple désiré, c'est-à-dire aimé de Dieu, voyez, non délaissé. Non délaissé parce que l'Emmanuel, Dieu, avec nous, est présent. Et cela, eh bien, c'est un message qui n'est pas que pour nous, mais c'est un message que nous pouvons, avec notre vie, parfois avec nos paroles aussi, que nous pouvons transmettre. Autour de nous, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de désespérance. Parfois nous-mêmes, nous sommes habités par la tristesse, nous sommes tentés par la désespérance. Mais une célébration comme celle de Noël nous aide aussi à prendre conscience que nous avons quelque chose à faire pour les autres et au milieu des autres. Que de même que cet enfant est donné au monde, c'est Dieu donné, eh bien nous aussi, chrétiens, baptisés, nous sommes donnés au monde. Oui, nous devons vivre notre vie, mais notre vie, c'est aussi une vie pour les autres, au milieu des autres, pour annoncer le message de Noël. Eh bien, que la Sainte Vierge Marie, que Saint Joseph, qui sont auprès du nouveau-né, intercèdent pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous accueillions la beauté de ce message et que nous sachions la transmettre. Amen.